J'avais dit une chose, normalement un journaliste ça s'appelle le droit de réserve. Je ne devrais pas être fan de locaux comme ça et avoir le droit de l'introduire. Moi la seule chose que je voudrais dire pour introduire les locaux, c'est dire bienvenue locaux. Bon, j'ai on va être plus sérieux, bienvenue Loco. Loco, en tant que grand intellectuel avec plein de diplômes, tu as certainement déjà entendu parler de la locomotive qui est censée être la tête motorisée d'un train qui tire les wagons. Loco, tu as découvert nos locaux qui sont complètement neufs et qui sont très beaux. Loco, je sais que tu as entendu parler de Loco comme la forme plurielle de local pour désigner des artistes qui, comme toi, évoluent à partir de leur territoire pour aller à l'international. Mais je suis sûr que Loco, en cherchant, tu n'es jamais tombé sur la locophilie, qui est un mot que je viens de créer avec mon ami Haroun Nazira, qui est en fait une science, une culture qui est censée étudier les us, les coutumes, les montées, les dessins, les singles et tous les albums de Loco. On applaudit pour Loco, s'il vous plaît. Alors, dans le dogme numéro 1 de la locophilie, ben, Loco est né le jour béni du 8 mai de l'année de grâce 92 sous la terre sainte de Douala. Oui, et le 8 mai justement on célèbre la Saint Loco, cet être céleste qui a sacrifié sa vie pour produire des chansons et des mélodies qui sont censées apaiser les cœurs et soigner les âmes. Bon, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Ça c'est le premier dogme. Et le deuxième dogme, vous savez, concernant Loco, dit que Loco est donc né sur terre, c'est un fils de l'eau, ses chansons sont le feu et il voyage comme le vent. Mais, et oui, bon, dans la locophilie, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on apprend les albums de Loco comme on apprend, je ne sais pas quoi, les testaments. Hein? Donc, d'abord, Loco a commencé chez Big Dream et naturellement, il a fait cet album The Bridge qui est un classique, un 18 titres dans lequel on a absolument tout écouté. Topo, Je serai là, Thank You Lord, Baila, Baila. Rendez-vous avec Tia, sur Sans Rancune avec Nabila. Oui, donne ma part sur ça avec One 237. Ashuka avec LCM. Cocotier, Danse avec moi qu'on a repris pour C'est comment, qui était magnifique. Boubou avec, Boubou avec la magnifique et incroyable Mimi, dont je pensais qu'à l'époque vous étiez en couple, mais c'est ajouté. Supporté avec Loco, Jimmy Moore avec Magasco. Avec et à cette époque, tu réalisais même le rêve de Kossi parce que vous avez fait Bac ensemble, hein, magnifique. Et tu as fait également My Love avec Chris M, Tombé, l'album de 18 titres qui est un classique. Et puis, puisque tu es le numéro 9, après tu as fait Cloud Line. Tu étais Big Dream, tu étais sur Universal et désormais tu es en édition, en distribution chez Sony Music Africa avec Columbia France et Loco. Tu sais, c'est deux fois, c'est deux canals d'or meilleur artiste masculin. C'est un live impressionnant sur la scène de Trace et il faut le dire, il faut le mentionner. Hein, c'est le, on m'a dit, c'est la base dans la locophilie cette fois-ci. Loco a eu son premier single d'or en France à plus avec le single All For You, All For You. Alors, quand tu cites, tu sais que Loco a un son avec, avec Charlotte Dipanda, avec Tia, avec Chris M. Et je profite justement pour dire que quand on a un artiste qui se respecte, sa carrière commence quand on a un son avec Loco. Il y a Fanny Poupa qui arrive le 30. C'était passé la bonne nouvelle. Bienvenue Loco. Loco est notre invité, s'il vous plaît. Et on va se remémorer des morceaux choisis de ce qu'il sait nous servir.